fait Florence de Choix Fantasy, je suis contente de vous retrouver dans cette petite vidéo. Alors nous sommes le 30 décembre, j'avais envie du coup, vous m'avez manqué, parce que de faire des petites ouvertures de calendrier et puis des petits vlogs tous les jours, voilà, ça m'a manqué de plus vous parler, donc je suis normalement en vacances. Bon, voilà, en tout cas au niveau boulot de l'entreprise, je suis en vacances et ça c'est très bien, on en avait bien besoin avec mon mari, donc ça c'est cool, j'en profite, mais je n'arrête jamais de scraper, hein, voilà, je pense que voilà, moi c'est ce qui me détend. Je remets mon petit ruban, donc moi c'est ce qui me détend et j'aime ça. Voilà, regarder la télé, c'est pas trop mon truc. Bon. À la limite lire, mais la journée, non. Voilà, donc du coup, bah, j'ai fait des petits projets, parce qu'en fait, je vais pas attaquer je vais pas attaquer des gros projets, parce qu'en fait, j'attends mes deux colis de DT, enfin surtout le kit de Corinne du mois de janvier, qui a pris un peu de retard, vous savez, avec les grèves et tout, donc je pense un petit peu de décalage par rapport à ce kit, donc je voulais pas attaquer des gros projets, donc j'ai fait en fait des petites cartes de vœux, donc je voulais vous les présenter, puis on va en faire une ensemble, et puis on va un peu blablater, voilà. Voilà, je vous dis, vous m'avez manqué, j'avais envie vraiment de refaire une vidéo, donc je ne sais pas quoi faire, enfin bon, ça va. Bref, ça, et puis vous parlez aussi peut-être des prochaines vidéos, donc dans mon futur de la chaîne, sur ma vidéo, pardon, mon futur de la chaîne, vous m'avez demandé, vous m'avez dit, je vais y arriver, un petit peu ce que vous vouliez. La plupart d'entre vous, d'ailleurs, c'est l'occasion de faire un petit bilan sur cette vidéo. La plupart d'entre vous, d'ailleurs, m'ont dit de continuer comme je faisais et qu'il fallait que je reste moi-même. Fallait pas, il y en a beaucoup qui me demandent des tutos pour débutantes. Et en fait, c'est vrai que il y en a beaucoup qui me disent, bah écoute, reste toi-même, si tu n'as pas envie de faire de tuto débutant, tu ne le fais pas. Alors, je vais essayer d'en faire un peu plus, disons des choses un peu plus simples. Moi, quand je vous fais un tuto de A à Z, tout est bien expliqué. Si ça vous fait peur, c'est dommage, mais j'y peux rien. Parce que tout est bien expliqué, normalement, c'est pas non plus... C'est vrai qu'il faut des fois avoir un peu de matériel, mais si on a si on n'a pas de massico, on a un cutter et une règle. Bon, si on n'a pas les mêmes papiers, c'est pas grave, c'est pas un souci. Mais normalement, je vous explique tout, donc normalement, vous devriez y arriver. Ou si ça vous fait peur, et ben, prenez confiance en vous et essayez. Hein, c'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses qu'on ne pensez pas pouvoir faire. Il faut essayer. Voilà. Hein, c'est pas des choses non plus trop extraordinaires, quoi. Enfin, je pense pas. Vraiment, je pense pas. Donc, essayez. Hein, il faut essayer. Et puis, bah voilà, il y aura des choses un peu plus basiques. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer des cartes que j'ai fait et on va en faire une ensemble. C'est pareil. C'est des choses qui sont refaisables. Qu'on peut refaire. Voilà, c'est pas... Même si on n'a pas le même forme de dice, on n'a pas les mêmes photos, si on, voilà, tout. Et puis, il faut mettre aussi sa petite personnalité dans ses créations. Donc, vraiment, mettez-vous pas de barrière et essayez, vraiment. Je voulais aussi... donc, voilà. Donc, je pense que je vais continuer comme je fais. Et puis, comme j'ai envie, à la limite. Voilà, parce que je me suis dit... J'avais des doutes, je me suis dit, mais voilà... ça plaît pas, ça plaît plus, comme il y avait pas mal de réflexions pas très sympas d'ailleurs, ou des messages, oui c'est ça aussi que je voulais vous dire, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, et puis c'est quand même des messages qui sont quand même isolés, mais c'est quand même, quand vous mettez un message, alors dites-vous que la personne qui va le lire, c'est vrai que ça dépend dans quel état il se trouve, ça dépend de la façon qu'il va se prendre. Et faut, c'est pas de faire des ronds-jambes, machin, c'est pas ça. Mais il faut faire un petit peu des phrases, quoi.
Voilà, bah déjà bonjour, ou coucou, ou ça va, ou oh, ça m'a plu, ou ça m'a pas plu parce que nanana. Voilà, mais des choses avec des points d'exclamation, puis allez, fais-le, puis tais-toi. Voilà, vous avez quand même derrière, enfin en tout cas, vous vous adressez à des personnes, vous ne vous adressez pas à des machines. Donc il y a ça aussi, ça franchement, cette année j'en ai eu un petit peu. Et moi par contre je suis cash, hein. Voilà, tant pis, tu te désabonnes, c'est pas un problème, mais moi on ne me parle pas comme un chien. Ça, c'est sûr. Et je ne me permets pas non plus de parler aux personnes comme ça. C'est-à-dire que moi, quand je commande des vidéos, d'abord quand ça ne me plaît pas, je ne le dis pas. Hein, voilà, je ne mets pas de pouce en bas, je m'en vais, puis c'est tout. Voilà, et puis j'y retourne pas. C'est tout, basta. Bon, ça, c'est encore un autre débat, les pouces en bas, on s'en fout. Bon. Même si je les ai bloqués, parce que voilà. Mais c'est surtout vous vous adressez à des personnes, donc. Bonjour, bah merci, ça m'a plu, ou voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as utilisé? Voilà. C'est quoi que tu as utilisé? Alors moi, c'est voilà. C'est quoi que tu as utilisé? Nanana. Bonjour. Voilà, c'est un peu mince. Franchement, c'est pas qu'à tout le monde du tout, mais il y en a certaines. Vous vous adressez quand même à des personnes. Hein, c'est pas, on n'est pas des machines, on n'est pas non plus. Voilà, on est des personnes, quoi. Ah, et ça me dérange. Mais par contre, voilà, moi je réponds, hein. Je réponds, puis bah, si ça plaît pas, c'est pas grave. Mais bon, moi je non, je peux pas rester. Je suis pas votre larbin. Voilà, je m'adresse aux personnes qui font ces choses-là, évidemment. Hein. Je suis pas votre larbin, je suis pas. Voilà, et hop, on répond comme ça. Vas-y, je suis pas toujours sur mon ordinateur ou devant mon ordinateur, même si j'y suis beaucoup. Voilà, donc voilà. Alors. Pareil aussi, je réponds pas à tous les messages. Quand il y a des questions qui sont posées gentiment, je réponds en général, il n'y a pas de souci. Même quand ils ne sont pas posés gentiment, je réponds en leur disant attention, voilà, faut s'adresser correctement, s'il vous plaît. Par contre, c'est vrai quand c'est oh, j'adore ce que tu fais, machin, c'était chouette ou c'était pas bien, bon, bah, c'est pas grave, hein, ben, je mets des petits j'adore parce que je peux pas, on peut pas. Moi, je ne peux pas perdre. C'est important de répondre aux commentaires. Je ne sais pas trop comment m'exprimer parce qu'il y en a qui prennent aussi un peu. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre à tous les commentaires maintenant. Avant, je le faisais parce que j'avais peu d'abonnés. Mais maintenant, voilà, je mets le petit cœur, un petit cœur ou un petit pouce comme ça. Je mets rarement des pouces comme ça. Ou alors, vraiment, quand on m'a vraiment mal parlé, je laisse le commentaire. Pour l'instant, j'en ai pas enlevé un, je les laisse, mais la prochaine fois, je vais faire comme les autres chaînes, il y en a beaucoup qui le font, ça va être des commentaires, alors je sais plus comment on appelle ça, vérifier ou je sais pas quoi, voilà, parce que, mais c'est comme c'est, pour l'instant, c'est pas vraiment la majorité, donc je vais laisser comme ça, et je me permets de répondre, voilà, si ça m'a blessé, si, voilà, je réponds. Voilà, bon, bref, je sais plus sur quoi j'en étais, je sais plus. Bon, bah, c'est pour dire que je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais vraiment, ça me fait très plaisir quand vous commentez. Donc, je mets le petit cœur, et puis voilà, je ne vais pas marquer à chaque fois, merci, gros bisous. Voilà, voilà, en tout cas, aujourd'hui, je vous remercie vraiment de vos gentils commentaires. Ça fait vraiment plaisir et ça encourage. Voilà. Donc, je voulais aussi vous montrer deux cartes que j'ai reçues. Des cartes de vœux, donc ça c'est super cool. Hein, donc c'est pas pour un concours, donc c'est encore mieux. C'est-à-dire que ça fait plaisir aux personnes de m'envoyer des cartes sans rien en retour. Bien évidemment, moi je fais toujours une carte en retour. Hein, voilà, et ça c'est agréable aussi. Je ferme la colle que j'ai oubliée hier. Ben alors, ah bah oui, d'accord. Hop, voilà, elle est super cette colle. Oups. Je l'adore. Oui, donc les petites cartes comme ça fait vraiment plaisir de recevoir une carte sans but de concours, etc. Moi, ça me touche vraiment beaucoup. Donc, évidemment, moi, je fais les cartes de vœux en retour. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Alors là, j'ai la petite carte de Ghislaine, de Jean de Lise. Je crois que c'est ça, dans le 54. Donc. Voilà, sa jolie carte.
Elle est vraiment très jolie, ça brille. Alors aujourd'hui il fait super beau, mais il fait super froid. Mais moi j'adore ces temps-là où il fait un grand soleil, froid, pas de pluie surtout. Ça c'est cool. Donc voilà. Et elle me marque un très gentil petit mot en me disant que c'est pour me remercier donc des vidéos que je fais. Continue de nous régaler tes vidéos et de nous émerveiller de tes superbes créations. Donc merci beaucoup Ghislaine. Merci, merci beaucoup. Tu recevras une petite carte évidemment en retour. Et moi aussi j'envoie des cartes aussi à des personnes qui ne m'ont pas forcément envoyé de cartes parce que ça me fait plaisir et puisque voilà, ça va aussi à sens pas unique justement. Ça va dans les deux sens. Voilà. Et là, c'est une carte de Nanouti, hein, du groupe Scrapez-vous, Nanouti Scrap. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais enfin, je pense que oui, si vous êtes sur le groupe. Regardez comme c'est joli. Avec une petite, comment elle s'appelle, elle? Je l'ai su, Magnolia. Voilà. En les tons, traditionnels de Noël, moi j'adore. Avec une petite colorisation. Elle est trop mignonne avec son chapeau de Noël et puis son petit pyjama. Voilà. Trop mignon. Merci beaucoup, Nanouti. Donc voilà mes deux petites cartes que je tenais à vous présenter. Et puis je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai fait, que j'ai commencé à faire. Enfin, j'en ai fait quelques-unes quand même. Je crois que j'en ai suis à une dizaine. Je sais pas combien. Enfin, je sais à qui je vais en envoyer, mais j'ai pas fait le calcul en fait. Et je me dis que si je reçois des petites cartes, ben voilà, j'en aurais fait. Puis je pense que je vais continuer cet après-midi parce que j'ai fait quelques petites colorisations. Voilà. Alors j'ai voulu faire des petites cartes. Donc là, c'est des cartes de vœux hein, pour la nouvelle année. Des petites cartes dans les tons craft bleu glacier, enfin bleu clair. Et blanc. Hein, donc voilà. Donc j'ai utilisé. Alors que je les trouve dans mon bazar. Alors. Je pense que ça va être que du blabla. Et que la carte, je ferai une autre vidéo. Parce que là, ça va tourner. Ça fait un petit moment. Ça va être trop long. Pardon. Où j'ai mis ça? Bah, attendez. Je coupe et je cherche. C'était pas loin. Donc, voilà la petite planche là de chez Florilège Design. Elle est vraiment très mignonne. Alors, je suis pas personnellement trop personnelle, mais je trouve que c'est vraiment. Ils sont vraiment mignons quoi. Et pour mettre sur une carte de bonne année, je trouve que c'est vraiment bien. Ça s'appelle Hiver Mignon. Voilà. Alors, moi j'ai vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'ours. Je le trouve trop mignon. Je trouve rigolo. Donc il est pas mal sur mes cartes. Donc là, c'est une première carte. Et oui, et aussi avec. Voilà, il est là. J'ai bien aimé aussi en forme d'étiquette comme ça. De chez Florilège Design aussi. Qui s'appelle 4 étiquettes de fête. Voilà, joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux et joyeuses fêtes. Bon, bonne année, joyeux Noël, je ne l'ai pas mis. Mais comme je l'ai reçu après Noël. Bon, bref. Mais je trouve que c'est vraiment sympa. Donc là, une meilleure vœu. Avec un peu de 3D là. Voilà. J'ai colorisé un petit peu au crayon de couleur. J'y arrive mieux qu'au feutre. Hein. Même si c'est pas. Voilà. Mais bon. Voilà. De loin, ça le fait quoi. Enfin, de loin. Et de près aussi, c'est pas non plus moche, moche. Mais je suis pas une spécialiste de la colorisation. Je trouve que c'est vraiment des petites cartes comme ça. Les couleurs sont douces, j'aime bien. J'avais envie de ça en tout cas cette année. Là, à peu près la même, mais je fais toujours des variantes. Hein. Je fais jamais les mêmes cartes. Voilà, avec le bonne année. J'ai rajouté un peu de dentelle. Là. Voilà. Ensuite, c'est des cartes rondes. J'ai fait celle-ci. Avec le petit cerf et la petite maison. J'ai utilisé pour faire celle-ci le bloc Action. Vous savez où qu'il y a des étiquettes? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je n'ai pas trop Action. Des choses comme ça. Il y avait des stickers. Donc, je n'ai pas du tout utilisé les stickers.
Voilà, et c'est celui-ci. Il y avait dans les tons bleu, gris. Puis voilà, toutes les. Le bleu là, c'est. C'est bleu, tout ça c'était dans la petite collection. Les petits die cuts aussi, bon, sauf ça évidemment. Et puis voilà. Donc j'ai utilisé cette collection, je la trouvais jolie. Là, on a un petit ourson. Voilà, pareil, les die cuts et le papier viennent de la collection de chez Action. Là, on a le petit ours avec un peu de dentelle. La colle. Des die cuts. Des découpes de dies. Voilà. Alors, des fois, j'ai coupé la petite boucle là. Vous voyez là, il y a la boucle. Puis des fois, il n'y est pas. Donc là, j'ai mis de la dentelle anglaise là. Que Karine m'avait mis dans voilà, d'ailleurs j'en ai plus. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec. Là, un petit Bambi avec un gros flocon. Ça, c'est le flocon, il était dans sur l'emballage, je crois, de mon calendrier de l'Avent. Corinne m'a envoyé un petit lapin. J'ai fait le contraire. Là, j'ai mis le papier à motif derrière et le papier blanc devant. Un autre petit lapin avec le grand sapin. Alors, ça, c'est pareil. C'était dans les die cuts de la collection. Et celle-ci, c'est la première que j'ai faite. Voilà. Avec une découpe serre en bois. De la dentelle. Voilà. Happy Day. Donc voilà mes petits cartes. Donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix pour l'instant. Donc je vais faire un petit peu le point sur qui. Sur le point pour celle que je veux, non, ça parle français, Florence. Je vais faire le point pour les filles que j'avais envie d'envoyer une petite carte. Ça, c'est pareil, c'était pas français. Bon, enfin, vous avez compris. Donc voilà. Et puis je vais voir si j'en refais ou pas. Voilà, de toute façon, ça sert toujours hein, les cartes. Et comme je vous dis, en ce moment, j'attaque pas de gros projets. Et puis j'ai une idée en tête. Pour le projet de commande équipe de Corinne, parce que je sais, elle m'a dit quelle collection ça va être. Donc je sais ce que j'ai envie de faire, donc il me tarde de l'avoir. Quand on a une idée dans l'arrière-tête, c'est frustrant de ne pas pouvoir le faire maintenant, mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, bon, bah, je pense que ça fait déjà ouais, 18 minutes, donc on ne va pas faire plus longtemps. J'aurai dans une prochaine vidéo, donc je vais faire une petite carte avec vous dans ces. Oups, voilà. Dans ce style-là. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Ça, je ne le redis jamais, mais je vais le dire là. Un petit pouce en l'air. Vous n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir toutes mes notifications. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!